just walk in, I'll make you smile. It's cool, but you don't ever know me. You take an inch, I'll run a mile. Can win, you're always right behind me. Don't you know it's going too fast? Racing sore, you know it won't last. Don't you know what I can't you see? Slow it down, really sings. So you know just where you're going. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you always on the run. Allô tout le monde, il est présentement 7h15. Ah, faut que je parte dans 15 minutes. Désolée, il y a des travaux sur ma rue. Fait que je viens de faire mon maquillage pour le shoot de boucleur. Là, il me reste à faire mes cheveux. Comme vous savez peut-être, je les ai coupés hier. Puis j'ai dormi les cheveux attachés. Fait que là, ils ont l'air de ça. Comment je vais les sauver? Je voudrais faire juste quelque chose de, tu sais, ondulé vite vite. On va essayer. Ce sont des petites mèches comme ça. Non, c'est correct. Je pense que j'ai quand même une bonne base. Là. Ça, c'est juste faut que je me grouille. J'ai pas déjeuné non plus, mais j'ai pas faim quand je me lève à 5h45 du matin. Faut que je sois au bureau de Bouclair à 9h pour le shooting de ma collection. Bon, en fait, je vais me grouiller. Je vais arrêter de filmer, je pense, parce que je perds du temps en faisant ça. Puis je vais vous revoir tout à l'heure quand on arrive dans les bureaux. Re-salut, je suis arrivée chez Bouclair. Là, on est dans le studio qui est dans l'entrepôt. Puis là, je suis comme dans une petite loge. C'est la seule place qui a de l'air climatisé, fait que je pense que je vais me tenir souvent ici. Puis c'est ça, là, je m'en vais déjeuner. J'ai installé mon stock, je vais me changer. Je sais pas encore quelle tenue je vais porter. Ah oui, puis je bois un comprimé effervescent parce que j'ai encore mal au ventre, comme lundi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'espère que ça va m'aider. Donc voilà, j'ai juste emmené ça pour des retouches. D'autres petites choses pour mes cheveux ici. J'ai mes deux fers, petites retouches de vernis, des bijoux. Et ça, c'est les vêtements. Anne-Marie a fait une petite sélection. Elle est allée chercher des vêtements. Elle a joué la styliste. Puis moi, ben, je vais faire. J'ai fait mon maquillage, mes cheveux. Puis ça, c'est mes vêtements ici qu'on a. Fait qu'on a tout ça d'options. Avec mes souliers. Voilà. Ouh, on a un beau petit buffet déjeuner. Je sais pas quoi prendre pour mon petit ventre sensible. Genre, j'ai peur parce que les fruits, des fois, c'est acide. Peut-être un petit yogourt, ça pourrait aider à refaire ma flore intestinale. Mais ça, ça a l'air tellement bon en même temps. Moi pis les muffins, là, c'est une histoire d'amour. Alright, je pense que je suis prête pour mon kit numéro 1. En tout cas, je viens d'essayer les vêtements d'Anne-Marie. C'est full confort. Je pense que ça venait tout de Winners. Si jamais vous vous demandez, on voulait un chandail oversize. Puis j'ai des jeans aussi. Que c'est ma taille parfaite, fait que je suis bien contente. Maybe it's the wind. Puis juste ici, c'est un peu bizarre pour toi, ouais, ça le ouais. Je le tiens pas là? Ben, tu peux le tenir, mais ouais, on recommence. Exact. Yes. Check, il y en a plein de plantes, des vraies, des fausses pour le shoot. Ça, 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 celle-là. Avec la bonne musique. Checker comment c'est drôle, il y a comme plein de petits montages en cours. Il y a une future pièce ici, il y a un gars qui vient de peinturer ça. Puis ici, on a plein d'accessoires, de l'eucalyptus frais, d'autres verdures. On va emprunter plein de choses. Oh,
checker toutes les pièces qu'ils peuvent prendre pour les shoots, c'est capoté! J'aime tellement ça fouiner là-dedans, là. Voir tous les objets qu'ils ont déjà créés puis que tu peux mettre dans tes photos. Il y a des lampes à l'infini, des pôles de rideaux, c'est tellement hot! Puis là, je peux pas vous montrer parce que c'est ma collection! Ah! Ça passe bien, c'est déjà l'heure du lunch. Je vais vous montrer, on mange du Copper Branch. Ça a l'air bon. Ok, on est rendu à la troisième photo, si je dis pas de bêtises. Là, c'est comme tout un setup de faux salon que j'ai, puis il y a comme tous mes coussins, je pense toute ma collection est là. Fait que je sais pas si je peux filmer. Je vais essayer de vous montrer les petits bouts. Fait que là, je porte un de mes chandails, ça vient, je pense, de Winners. C'est quoi? Ruby Moon, je sais pas si ça vient tout de là, en tout cas, bien confortable, j'aime ça. Petit cardigan comme ça, mes jeans aussi, pis c'est pas mes souliers. C'est des souliers Nautica. Voilà. Fait qu'un petit look casual, je m'en ai juste fait une petite retouche de cheveux. Je pense que ça va encore pas pire. Ça tient malgré l'humidité, je vais juste les shaker, mettre un peu de fixatif. Parce que du volume en photo, c'est toujours beau. Pas trop là, mais ils vont redescendre. Puis après manger, il faut refaire des petites retouches sur le rouge à lèvres. Je pense que je vais remettre mon crayon. C'était le, mon dieu, il est effacé 40 de Rimmel avec un petit gloss MAC comme ça. C'est le Nude Lip Gloss. Mon petit miroir du Japon. Ah oui, c'est cute! Ok gang, on est en train de se préparer à shooter la prochaine photo. Ben là, je peux pas vous montrer parce que dans ce shot-là, il y a vraiment tout, genre. Je vais juste vous montrer un item, ok? Vous avez vu déjà deux coussins. Là, je vais vous montrer un des wall art. Il y en a trois. Vous allez avoir un bon aperçu pareil de l'ambiance, je pense. Tadam! C'est une branche d'eucalyptus. J'aimerais juste aussi vous montrer que j'ai un faux radiateur dans ma shot avec une fausse fenêtre. C'est vraiment drôle. On est rendu au prochain look avec un nouvel item mis en valeur. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais c'est sur le mur. J'ai attaché mes cheveux pour celui-là. Petit chignon messi, je suis en chemise d'homme avec des petits jeans. Oh, on voit même pas. Elle est tellement grande. Je flotte. It's a wrap! Ça a full bien été. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de les revoir déjà. Bye bye, petit set. Bye bye. Je suis revenue chez moi après une longue journée de shoot, mais pour de vrai, là, ça a tellement bien été, je suis contente. Ça a passé full vite, là, à un moment donné, je me rappelle, j'ai vu, il était 4h, puis j'étais comme, hein? Déjà, genre, tu sais, quand t'as du fun, là, c'est ça passe vite, ça a pas l'air long. Ouais, fait qu'on a été quand même assez productif aujourd'hui, je pense qu'on a fait 7 photos en tout. En tout cas, il y a comme certains éléments de déco qui sont plus mis en valeur dans certaines shots. Toutes les shots vont servir pour, tu sais, catalogue, site web, des choses comme ça. Moi, je vais les partager aussi, évidemment, parce qu'ils sont trop belles. J'ai hâte de les voir fini. J'ai été vraiment impressionnée de voir, c'est comme, en personne, comment cette équipe-là, tu sais, sont pas 30 non plus, là, mais ils arrivent à faire, genre, des faux décors qui ont l'air full réaliste avec un petit peu de Photoshop. Après, ça va être, genre, parfait. Mais ouais, j'ai vraiment aimé les petites pièces qu'ils m'ont fait, là. C'était comme des fois un peu style loft, là. Fait que c'était vraiment, vraiment inspirant, puis je m'y croyais. Fait que c'est vraiment le fun de voir tout ça prendre forme. Puis pour de vrai, ça m'a littéralement inspirée à redécorer. Genre, j'avais envie de changer des affaires ici en arrivant, là. Pour vous dire à quel point, genre, je trouvais ça cute, puis tu sais, de voir mes items en 3D, vraiment, là, comme placés avec les suggestions d'Anne-Marie, la chef de design, c'était vraiment, vraiment cool et inspirant. Fait quoi, j'ai pas hâte que vous puissiez voir c'est quoi les items, parce que je veux redécorer, Colin! Bref, là, il est 8h, je devrais souper, j'ai un peu faim, je commence à avoir faim, mais vraiment, là, j'en reviens pas, là, j'ai eu mes crampes toute la journée, là, j'en ai moins souvent, mais j'en ai encore, c'est vraiment comme des crampes qui me pognent, qui me scindent en deux, c'est comme... Je pense que c'est comme de l'acidité parce que ça me brûle. Genre, c'est pas comme un point de stress ou quelque chose. C'est vraiment plus comme une barre, puis ça me brûle. J'essaie vraiment de trouver c'est quoi qui me cause cette petite
intolérance alimentaire, je sais pas c'est quoi, mais ça passe pas. Puis je comprends pas pourquoi. Je suis comme, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange ou mange pas pour que ça passe? Parce que c'est franchement désagréable. Et j'ai jamais eu ça sur genre 2-3 jours, là, des maux d'estomac, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. En tout cas. Puis là, ben comme c'était pas un très long vlog, le shooting, j'ai pas encore fait le montage, mais j'imagine que ça va être quand même assez court comme tous mes vlogs de shooting. J'étais en train de me dire peut-être que je pourrais filmer demain. Demain, en fait, je filme ma vidéo de la semaine. Donc demain ou vendredi, là, la journée que j'aurai plus de temps, je pourrais peut-être filmer un petit FAQ. Il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un FAQ dans mes vlogs. Fait que peut-être que je vais poser les questions comme à soir pour avoir vos questions pour demain ou après-demain. Bref, sur Instagram. Et ça pourrait être un peu enligné sur la collab avec vous, Claire, si vous avez des questions d'ici depuis ce temps, en fait. Ou juste sur la vie en général. Fait que je pense qu'on va terminer avec ça. Fait que voilà, je vais me reposer un petit peu à soir, faire un peu d'email, peut-être de commencer un article de blog. Je suis un peu ambitieuse, hein? Il est quand même 8h, pas très bien dans 1h30. Mais je sais pas, ça pourrait terminer la soirée en beauté, un petit article. J'aimerais bien ça en commencer un. J'espère que vous avez aimé voir des petits sneak peeks, des petits bouts dans les coulisses. Je pouvais pas vous montrer grand chose, comme je disais. Au moins, vous avez vu un des wall art, qui est celui Eucalyptus, que ma soeur a dessiné avec moi. J'aimais ça vraiment personnaliser les petits trucs, c'est pas juste prendre une photo qui existait déjà. Fait que bref, je vous en dis pas plus, mais je vous revois demain ou après-demain. Bye! Je fais jouer Lily en même temps que je vous parle. Oh non, j'ai plus de batterie. Pourquoi cette caméra manque toujours de batterie? Ok, fait comme prévu, on est vendredi et je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Je les ai prises en photo dans mon cell, je suis en train de les chercher. J'ai fait une couple de screenshots là, des questions qui revenaient le plus, c'est sûr c'était pas mal tout le temps la même question. Il y a Bouclair qui m'ont écrit. As-tu déjà pensé devenir designer? Voudrais-tu te joindre à notre équipe? Sont-ils cute? Non, en fait, si c'est une vraie question, non, j'ai jamais pensé être designer d'intérieur. C'est, je veux dire, j'adore la déco, mais je me suis jamais vue vraiment faire cela. Tous les métiers que j'ai déjà voulu faire, je vous l'ai déjà dit, mais c'était tout vraiment dans le domaine artistique, mais plus par rapport, je sais pas, maquillage, cinéma, beauté, costume, des choses comme ça, là, tu sais, plus par rapport, ouais, au cinéma, j'imagine. Ben, quoique, je pourrais faire des décors sur un plateau de tournage, ça se peut aussi. Je suis pas sûre que j'ai le temps de devenir designer à temps plein pour Bouclair, par contre, même si c'est bien gentil de l'offre, merci. J'ai une question ici de Amr. C'était quoi les contraintes qu'on t'a imposées, budget, style, etc.? Bonne question. Il y avait pas vraiment de contraintes, là, pour de vrai, vous allez voir, là, mais Bouclair m'ont laissé pas mal... Je peux pas dire carte blanche, tu sais, on a travaillé mes idées ensemble, mais au final, c'est vraiment des items qui me ressemblent. C'était pas, c'était du co-design, mais j'ai l'impression que mes idées ont pas été transformées trop loin, tu sais, ou dans une mauvaise direction, si on veut. Une question qui est revenue très très souvent, je l'ai peut-être répondu dans ce vlog-là, je me rappelle pas, mais ça sort quelle date? Ça sort le 17 octobre. Mettez ça à vos agendas, je suis vraiment excitée. En plus, il risque d'avoir des petits mythos reliés à ça, fait que je vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait ici au Québec. Il me semble. Ben, le dernier c'était juste pour ado. Mais c'est ça, ça va faire un petit bout. Est-ce que tu vas mettre certains éléments de ta collection dans ta déco? Fauche. Pour de vrai, j'ai vraiment hâte, là, justement, hier, j'étais en train comme de me faire des petites notes de qu'est-ce que j'aimerais avoir où dans la maison. Il y a certains items qui vont mieux fitter à certains endroits, mais non, j'ai déjà comme une couple d'idées. Même qu'il y a certains items que je me dis, ah, oh, ça pourrait être beau dans telle pièce, mais aussi telle pièce. Fait que soit je vais les mettre dans deux pièces, mais utiliser de manière totalement différente, ou je vais juste comme faire autre chose. Il y en a beaucoup aussi qui étaient françaises ou européennes qui me demandaient c'est quoi Bouclair. Ben, Bouclair, c'est un magasin de déco très connu. Ça fait des années que ça existe au Québec. C'est vraiment un des plus gros magasin de déco, je sais pas si on peut dire que c'est le plus gros, mais ils sont certainement très connus là. C'est un peu l'équivalent de Lisoitier dans les cosmétiques, Bouclair en déco pour les Québécois. Donc c'est normal que vous connaissiez pas si vous habitez pas ici, mais c'est disponible à travers le Canada. Ils ont une boutique en ligne aussi, évidemment. Par rapport à ça aussi, il y en a qui m'ont demandé si c'était disponible en Europe, entre autres Virginie 11. Malheureusement non, étant donné que c'est des magasins qui sont seulement au Canada, et je pense pas que le site pourra shipper non plus là-bas, malheureusement. Pourrais-tu nous montrer tes idées qui n'ont pas été sélectionnées de Magali Bio? Oui, éventuellement, peut-être pas maintenant, mais éventuellement ça me dérange pas de vous montrer. Puis quand je vais faire la vidéo d'annonce sur ma chaîne principale, vous allez voir comme tout le behind the scenes que j'aurais pas pu vous montrer sur la chaîne de vlog. Vous allez voir plus le processus créatif. J'ai comme tous les sketchs encore ici là, fait que je vais pouvoir vous montrer oui, qu'est-ce que ça a donné du début à la fin dans le fond, et tous les trucs qui ont pas été sélectionnés. Style Heureux me demande, est-ce qu'il y aura un label à ton nom sur tes articles? Oui! Ben en fait, il y en aura pas
sur les items comme tels, genre ça va pas être écrit Cynthia Duluth sur le coussin, mais il va y avoir des étiquettes, j'en ai ramené une ici, c'est la seule que j'ai vue, c'était quand on m'a envoyé un échantillon justement pour approuver, fait que j'imagine que ça va ressembler à quelque chose comme ça là, je vous montre une autre primeur, un autre scoop. C'est tellement cute, ça, c'est accroché sur le coussin. Pour de vrai, là, quand j'ai vu le coussin avec ça dessus, là, ça m'a vraiment fait de quoi, là. Comme, ça m'a comme frappé de voir mon nom sur une étiquette, parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, honnêtement. Ça fait vraiment drôle, en même temps, il y a un petit mot que j'ai écrit, là, je vous garde des petites surprises quand même, ma petite présentation. Fait que ça va être comme ça sur les items, mais il y aura pas mon nom écrit sur les trucs, donc ça, c'est sûr que non. Il y en a plein qui me demandent mon morceau préféré de la collection, là, vous avez pas tout vu encore. Puis je trouve ça tellement difficile d'en choisir juste un, honnêtement, je trouve qu'ils sont beaux, tout individuellement, mais aussi tout ensemble. C'est ça la force, je pense, de la collection, c'est que tout fit ensemble, genre, mais sans être kitten. Fait que je sais pas trop, comme, dans les coussins, c'est dur d'en choisir juste un, puisque je les aime ensemble. Dans les wall art, il y en a peut-être un que j'aime vraiment beaucoup, mais je vais attendre avant de me prononcer. Une fois que je vais les avoir posés dans ma maison, là, je pense qu'il y en a que je vais vraiment, comme, tomber en amour avec, à force de les voir à chaque jour. J'ai ma Edel22 qui me demande si mes décorations c'est pour salle de bain, chambre, salon, cuisine. Pour cette collection-ci, on s'y tient seulement à tout ce qui est plus salon et chambre à coucher. Donc, il n'y a pas d'ustensiles de cuisine, pas de vaisselle, pas de porte-brosse à dents. Ça va être vraiment des trucs que vous allez vouloir mettre dans votre chambre, dans votre salon. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Parce que les coussins, oui, mais les wall art, les objets déco, vous pouvez les mettre où ce que vous voulez. Là. Vous pouvez même mettre les cadres qui s'en viennent dans votre salle de bain si ça vous tente ou dans votre cuisine. J'arrive bientôt à Montréal, ta collab sera dispo combien de temps? Julie LM40. Bonne question, je sais même pas honnêtement, c'est sûr qu'on parle d'une collection édition limitée, mais combien de temps à partir du 17 octobre? D'après moi, ça va s'étirer jusqu'aux fêtes à peu près. C'est sûr que c'est pas une affaire de quelques semaines, c'est pas un mois non plus, je pense que ça va être un peu plus que ça. 17 octobre, ouais, d'après moi, ça va arriver comme... Faudrait que je m'informe, je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais je pense que ça va durer, ouais, peut-être un peu plus qu'un mois. Es-tu contente de faire cette collab? Yes, je t'adore, Anna, t'adore, merci. Oui, je suis full contente, c'est full excitante. Est-ce que les articles coûtent cher, Marie-Lou Martineau? J'ai pas vu vraiment, en fait, encore la liste de prix, mais moi, j'ai demandé vraiment à Bouclair que ça reste dans leur prix régulier. Donc, si vous connaissez Bouclair, vous savez déjà à quoi vous en tenir un peu. Là, c'est toujours un bon rapport qualité-prix, je dirais. Donc, c'est sûr que ça sera pas des trucs comme à 150$ le morceau. Là, ça sera vraiment plus accessible que ça. Je dirais vraiment dans la moyenne des magasins de déco plus abordables. Ah, bonne question, j'ai Chantal 040919 qui me demande quelles seront les couleurs dominantes dans la collection. Je dirais que puisqu'on est allé avec le style scandinave, là, j'avais déjà montré dans un vlog précédent un peu l'inspiration, c'est sûr que ça va être une majorité de couleurs neutres. Fait qu'il y a pas mal de blanc, il y a du noir, il y a du gris, il y a du petit rose poudre un peu et du doré, mettons, dans les accents métalliques. Puis il y a aussi une petite touche de vert. Fait que ça, c'est pas mal les couleurs. Est-ce que ta collection va être disponible dans toutes les boutiques Bouclair? Ça, c'est une bonne question. Je me rappelle plus par cœur. Je veux pas vous dire de bêtises. Je pense que dans les magasins du Québec, elle va être pas mal là partout et aussi en ligne. Fait qu'écoutez, je pense que ça fait pas mal le tour des questions qui ont été posées le plus souvent. J'espère que ça vous éclaire un peu. J'espère que vous avez aimé voir ce mini vlog par rapport à ce que je fais d'habitude. Je sais qu'il a été plus petit, mais vous en avez eu comme deux plus rapprochés. La semaine prochaine, oh my god, j'ai tellement hâte. Le 5 septembre, il y a une designer qui va venir ici pour m'aider à finir les plans de ma salle de bain. Parce que là, ça va faire 2 ans qu'on est dans la maison en octobre. Puis même si la salle de bain est fonctionnelle, j'ai quand même super hâte de la décorer puis de la mettre comme au goût du jour, tu sais, que ça fit avec le reste de la maison, parce qu'il faut bien que je vous fasse un house tour officiel sur ma chaîne à un moment donné. Fait que peut-être que le projet de clôture va être mis sur pause pour l'instant, je sais pas trop, honnêtement, faut que je retourne à Quincaillerie avec Pat acheter genre un décapant, une brosse ou louer une machine à pression, je sais pas encore, je vais aller vraiment bien m'informer, j'ai été mal conseillée la première fois, mais je voudrais juste au moins enlever le brun en attendant, parce que comme je vous disais, de toute façon, je l'ai mal fait, donc on verra si jamais la priorité, ça devient la salle de bain en septembre, parce qu'en octobre, ma vie va être folle, j'aurai aucun temps pour ça, ben c'est ça, faudrait comme donner la claque sur la salle de bain en septembre, puis la clôture, ben on verra qu'est-ce qu'on a le temps de faire, je pense pas que j'aurai
aurait le temps de faire ces deux projets-là en même temps nécessairement, même si Pat m'a dit qu'il allait full m'aider pour la clôture, qu'il avait la patience pour ça apparemment. J'ai hâte de voir parce qu'il y en a vraiment gros à faire. Mais bon, c'est ça, on verra comment qu'on se répartit les tâches, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met juste nos énergies sur la salle de bain. Moi, je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Fait que peut-être qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais reporter encore mon projet de clôture à l'été prochain, mais comme ça va être l'hiver dehors, on dirait que je m'en fous un peu, tu sais, j'ai plus le goût de profiter d'une belle salle de bain que de refaire la clôture au complet pour l'instant. Fait qu'à suivre, je vous dis ça comme ça, mais c'est ça, le prochain vlog, ça risque d'être intéressant pour vous parce qu'on va jaser avec une designer de déco salle de bain, qu'est-ce que j'ai envie de changer. J'ai déjà des plans de fait, mais je veux comme qu'elle analyse ça puis qu'elle emmène mes idées plus loin, qu'on voit s'il y a des choses que j'ai pas pensé, des choses qui pourraient m'aider autant dans l'organisation, le rangement de la salle de bain, que trouver des solutions pour les petits espaces parce qu'elle est très petite ma salle de bain, là j'ai pas beaucoup d'options. Et c'est ça, voir si mes choix de matériaux, de bain, toilettes et tout ça c'était des bonnes options. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous. Si vous voulez pas manquer aucune de mes vidéos, la seule façon c'est de s'abonner, c'est gratuit, vous pouvez cocher d'avoir les notifications, vous allez recevoir genre un petit email ou quelque chose comme ça à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous savez sûrement déjà tout ça, mais c'est au cas où que vous étiez nouveau sur YouTube. Voilà, alors merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime vraiment fort, je vous fais plein de gros bisous puis on se revoit très vite. Bye! La 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 la.